Previously on Lost, en les privés. Enfin, précédemment dans les privés. Enfin, si vous avez raté les épisodes d'avant, là vous allez pouvoir rattraper et puis tout comprendre à l'histoire. Bon, je vous laisse regarder. Bon, comme tu l'as vu sur l'annonce, on cherche un nouveau coloc. Tu nous plais bien? Ouais, on va te prendre. Vous êtes vraiment pas au top. Vous dégotez des clients en or et vous gâchez tout. Il peut peut-être encore rappeler pour l'histoire dans sa boîte, là. Messieurs, nous faisons face à une situation sans précédent. Les analyses ont disparu. Et que nous conseillez-vous? Attention, la police ne doit pas être au courant de ces analyses. Je vous propose de faire appel à la fine fleur des enquêteurs privés de Paris. Ils ont obtenu un 100% de test d'efficacité. Monsieur Alain, nous venons de terminer de les auditionner. Ils seront parfaits pour cette mission. Bon, je crois que j'ai vu tout ce qu'il y a à voir. Messieurs, merci. Ils font de l'affaire. Sans le moindre doute, ils ne réussiront pas. Le bureau est sécurisé, vous pouvez apporter les dossiers d'OTAN. Il faut bien que nous commencions à prévoir la prochaine catastrophe. Merci, mes vierges, ce sera tout. Salut les gars. Salut. Bah tiens, vous tombez bien, je vous présente Nina, ma copine d'enfance. Merci, mes vierges, ce sera tout. Je vous en prie, monsieur. À 6h du matin. Robert, c'est ta dominatrice. Histoire. Malicie est malade. Inspectez-moi tout ça. Et moi, j'aime pas dans le jeu ça de Mazo. Bloc. Bloc. Oh, mais. Mais. Et respectez-moi ça aussi. Eh, hey, mais c'est quoi ce bordel là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis la directrice de la sécurité de Frauden Bank. Je dois auditer privé. Ah, mais si elle est malade? Mais tu vois, elle est au courant, c'est pas la peine de faire semblant. Allez, viens, j'étais un vilain garçon. Eh, hey, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous faites quoi? Vous faites pas ça ici? C'est dégueulasse! Et puis moi je vais bosser dans une autre! Mais reste terre, Fonda! Mais écoute-moi bien, Interdit. T'as pas l'air de bien comprendre. Je suis là pour mon patron, monsieur Alain. Tu sais, le type avec le poulet islandais. Et vous savez quoi? Vous allez tirer le gros. L'affaire du siècle. Il veut vous rencontrer. On va pas dans ma chambre, alors. Foutez-le dans sa chambre, moi je m'occupe de votre commande. Ah bah quand même. Bon, comme j'expliquais à ton petit copain, mon boss a validé votre dossier pour vous occuper de la plus grosse enquête de votre misérable carrière. Mais avant de rentrer dans Frauden Bank, vous voulez passer et faire connaissance. Commençons par le plus facile. Pourquoi vous êtes détective privé? Mais je crois que t'as pas bien compris, là. Tu vas me répondre avec des mots compréhensibles, sinon j'appelle mes petits copains, ils vont bien s'occuper de toi. T'as compris? Oui. J'ai compris, ok. On est devenu détective parce qu'on sait rien faire d'autre. Vous faisiez quoi avant? Robert, faisait des films porno austro-hongrois et puis moi, je travaillais dans un décathlon, dans le rayon fléchette et serre-tête pour les sports.
Ok. Montrez-moi vos dossiers. Donc quoi ? Vos dossiers, vos preuves. Ah ! Non, mais là où vous écrivez vos notes, vos comptes rendus d'enquête. Vous avez pas de dossier ? Non, mais quand vous faites pour gagner votre vie, là, vous gagnez combien par mois ? Ah, bah ça, c'est facile, tu peux compter. Alors. Mais c'est pire que ça, je pensais. Bah, j'ai pas fini de compter, madame. Non, mais. Comment vous faites pour payer votre appart ? Bah, c'est la mère de Robert. Et les factures, c'est la mère de Robert aussi ? Ah non, c'est la mienne. Ok. Je crois que j'ai vu tout ce que je voulais voir. Écoute-moi bien. Si j'apprends que tu as menti. Mais je crois qu'elle travaille pour notre futur boss, c'est le directrice de la sécu. D'accord. Eh ben moi en tout cas, j'ai passé un bon moment. Et vous allez... Mais vous allez vraiment travailler pour ces gens-là ? Mais on n'a pas le choix, faut qu'on paye nos factures. D'ailleurs Robert, j'ai fait le mensonge. J'ai dit à la directrice de la sécurité que c'était nos parents qui payaient nos factures. Bah t'as bien fait. Il manquerait plus qu'elle apprenne que c'est... Ouais, et si elle l'apprend, tu vas te faire taper. Comme ça se passe dans ma chambre. Mais vous avez vu comment ils vous traitent ? Vous valez mieux que... Enfin, non mais sérieusement, réfléchissez un petit peu, quoi, parce que c'est vraiment le genre de décision qui va changer votre vie, quoi. Ah, et puis allez-y. Monsieur Alain, Madame Stoeffler est arrivée. Merci, Miss Berger, faites l'entrée. Alors, comment vont nos privés préférés ? Je les ai un petit peu traumatisés, je crois. Bon, en même temps, c'est ce que je vous avais demandé. Petite vengeance personnelle. Et sinon, votre rapport ? Vous inquiétez pas. On risque rien. Je ne serais même pas capable de trouver deux chaussettes identiques. Parfait. Super ! Une nouvelle enquête. Ça va nous changer les idées. Tu pars, ou je s'en vas. Super, vous pouvez. Moi je sais pas comment vous allez faire pour vous concentrer, hein, parce que moi je suis complètement perturbée encore, hein, c'est une folle cette fille là. Tu manges pas ce soir? Bon, Zaya nous a dit de descendre sur le parking, il paraît qu'on devrait trouver quelqu'un qui vient de faire ses courses. Elle t'a dit quand? Quoi? Quand? Bon. Bon bah, plus qu'à attendre alors. T'exagères, Robert. La dernière fois, c'était la même chose avec la mère de notre coloc quand elle est venue nous voir. Qui ? Aurélie ? Ben non, Norman. Norman était la mère d'Aurélie ? Ben non, rien à voir. Est-ce que je suis un mollusque ? Oui, mais c'est pas ça que je pense. C'était Bob l'éponge. Ouais. Je te tiens, tu me tiens par la barbe et je te... Rends une tapette. Oh, oh, gagné. C'est dégueulasse. Bah, je gagne surtout qui gagne. Oui. Ah, j'ai encore gagné. Putain, mais non, mais arrête. Tu vois, Maurice, c'est un truc qui me turlupine. Pour être un bon détective, faut être un bon observateur. Tu vois, le mec là-bas, je le regarde depuis tout à l'heure. En 2 heures de temps qu'on est ici, il a pas bougé d'une cacahuète. Et mais t'as raison. Et regarde, Robert, une pièce bitumale. La dernière fois que j'en ai vu, c'était en 92. Souviens-toi, le chauve avec une moustache. Ah non, en 92, c'était pas ça. C'était un vieil hippie qui avait bu, qui avait tout fumé. Là. Non, non, c'était, je crois que c'est la première que je vois. Mais non. Souviens-toi, il y a au moins la semaine dernière, au concours de Air Fléchette. Eh, vraiment, des fois, Maurice, tu me fais peur. Bonjour. 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 Maurice, regarde. Des traces de pneus. Tiens, viens voir, elles vont par là. Ça part aussi par là, regarde. Non, c'est par là. Mais t'es sûr parce que... Mais oui, elles vont directement nous conduire... Bah, où ça? Bah, une voiture, évidemment. Ah, bah non.
On remonte à la source. Bah oui. Oh bah attendez madame, je vais vous aider. Oh merci, merci, c'est gentil. C'est bien normal. Oh. Entre voisins, faut bien céder. Mais je suis de passage, j'habite pas ici. Hé hey Robert, y a plus de corps. Oh mais c'est pas vrai, mais t'as pas trouvé une meilleure excuse pour pas aider cette adorable créature? Mais ma foi, c'est vrai. Je crois qu'il était dead. Je crois qu'il est dead. Dead of the dead. Oh bah non, j'ai même pas eu le temps de prendre son numéro de téléphone. T'as pris sa plaque au moins? Ah bah non, non, ça j'ai oublié. J'ai l'impression qu'elle faisait un bon 95C. Et de facteur, c'est la mère de Robert aussi. Moi, je suis complètement perturbée. Hein. Maurice, regarde, des traces de pneus. C'est pas vrai. Pardon.